The President, please be seated. Le Président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. L'audience est reprise. We would like now to hand over to the to the National Court Prosecutor to la proceed with the documents he would wish to put before the chamber. Cambodgien pour la suite de sa présentation des documents. Monsieur le Président, si vous me le permettez, j'aimerais juste apporter une précision Thank par rapport much, à ce qu'ont dit les équipes de défense ce matin concernant les documents que nous présentons et aussi faire une demande à la Chambre. La défense a dit que certains documents figurant sur la liste des 89 documents à présenter cette semaine seraient soit nouveaux, soit non pertinents pour le premier procès. Pendant l'audience de ce matin, nous avons répondu par email à l'email de la défense de Yangtze-Ri que nous avons reçu à 8h43, nous avons répondu que tous les documents que nous présenterons cette semaine figurent non seulement dans notre tableau des documents envoyés en avril 2011, qui porte la référence E9-31, mais aussi dans celui plus restreint envoyé le 22 juillet 2011 et qui porte sur la première phase du procès. Et donc, sur ce premier procès, il s'agit du document E109-4. Il n'y aura donc pas d'ajout de document qui ne figurerait pas dans les annexes de ce document E109-4. Par ailleurs, il n'y aura pas non plus de document nouveau qui sera présenté durant cette semaine. La Chambre, à ce propos, a déjà expliqué dans un mémorandum précédent que par nouveaux documents, il fallait entendre les documents qui n'auraient pas encore été communiqués avant le début effectif du procès fin juin 2011. Or, tous les documents qui sont présentés cette semaine figurent dans les annexes, dans les tableaux qui ont été envoyés en avril 2011. Et encore une fois, c'est le document E9-31. Alors, certains de ces documents attendent qu'on leur donne, qu'on leur attribue un numéro D, ou plutôt un numéro E, mais ce n'est pas pour autant de nouveaux documents. Alors, ma demande à la Chambre est assez simple, c'est que le temps qui est consacré à chaque audience à des questions procédurales, comme ce matin, et qui donc empiète aussi sur le temps imparti aux coprocureurs et aux co-avocats principaux des parties civiles pour la présentation des documents, puisse être ajouté au temps effectif de la présentation. Par exemple, ce matin, la présentation des documents n'a pu commencer qu'à 9h40 et donc nous souhaiterions que 40 minutes supplémentaires puissent être rajoutées, si nécessaire, à la fin de notre présentation. Pour des raisons d'organisation et de planification des audiences d'aujourd'hui et des deux jours suivants, nous aimerions, si c'était possible, que votre Chambre puisse trancher cette question maintenant. Comme ça, nous serons plus organisés à l'avenir. Merci. The President, Counsel for Yangtze-Ri, you may now proceed. La parole est à la défense de Yangtze-Ri. Thank you, Mr. President. Just very briefly, I would like to comment on that last remark made. J'aimerais faire une observation sur this morning I've noted that the international co-prosecutor was engaging in what I would characterize as closing argument. Les coprocureurs ont commencé à faire not only was he commenting about the document, in a sense testifying about it, but also plutôt, he was putting a spin to it, an argument to it. We believe, for the purposes of these hearings, such comments and commentary, arguments, are inappropriate, and they do take up a lot of time. So perhaps in factoring whether you should indeed give the prosecutors additional time, perhaps you should put some limit as to the extent and scope of the comments on each document. Otherwise, the public is being treated to a closing argument
on documents sinon, for which witnesses have testified or may not have testified yet. Sur des documents sur Thank lesquels you. Des témoins n'ont peut-être même pas encore déposé. Merci. The President, thank you. We would like now to Merci. Invite a representative from the co-prosecutor to La Chambre. International co-prosecutor, of course, please be on your feet. La parole, veuillez-vous lever, Monsieur le procureur international. Request made by international co-prosecutor asking for additional time. Nous entendrons maintenant la requête. The chamber concernant notes la requête du procureur pour this du request temps and will address it after entend la requête the first adjournment et during rendra this sa afternoon décision session. Cet après-midi. Après the pause. Chamber also notes that the observation by counsel for Inseri. La chambre note aussi que les observations de la défense de Inseri. Such observation is appropriate, and that sont appropriées. The chamber will not allow co-prosecutor to make et la any chambre ne laisse statement during this time pas when the documents are being put. À l'accusation, and la possibilité de faire des déclarations has lors de la présentation de documents. Time to the prosecutor, and for that reason, the prosecutor should not really seek leave from the president to allow him to à l'accusation, et nous present donc que l'accusation ne devrait pas demander l'autorisation pour la présentation de documents. Requests, les demandes répétitives you just proceed with the presentation of the document and since the time allotted to you is limited comme vous please make sure that you make the most assurer, of it and proceed profiter au maximum du temps qui vous a été imparti the presentation of documents de poursuivre before directement the chamber. You may now la présentation proceed. De vos documents vous avez la parole Thank you, Mr. President. I would like now to proceed to document D 366/7229. Point 1.229. This document has been copied from the original document. Il s'agit d'une copie de l'original. It states that we do our best to educate people on the party's principle. Où il est indiqué que l'on and we only issued circulars and people
were not satisfied. People carried out the circulars or directives without proper understanding. Sometimes they even were against us. In the case when the circular was issued to ban any food delivery, la livraison de nourriture. Ou plutôt une circulaire interdisant aux habitants de convoyer des vivres. The circular was issued without consultation with the mass. Cette circulaire a été envoyée sans consultation des masses. Document under ERN French 00072 1047 10 47, English ERN 0072 0072 2 rather 0212, Khmer 0044 2 6 through 97. The leadership must be based on the democratic decentralization. Il faut fonder the meaning of the democratic decentralization is that le sens essentiel du centralisme démocratique, individuals were led by the collective. Moreover, it is important that it is evident that we do not fulfill our role and responsibility. Now we would like to proceed to another document 0072 1048 French, English 0072, ou plutôt en anglais 0072. មានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅនឹង99ខ្ញុំសារដែលមាននៅក្នុងការដោះស្រង់របស់ខ្ញុំនេះមានដូចតទៅអត់អត់មានឬបកប្រែទេចេញ Now I would like to proceed with the text as follows. There's no English translation. Le président signale qu'il n'y a pas d'interprétation en anglais. The President, National Co-Prosecutor, you may now repeat the last point you just made. Le procureur, veuillez répéter ce que vous venez de dire. I would like to read the reference number again. French ERN 0072 10 42 48. English ERN 0072 0213 Khmer ERN 0044 2 98 through 99 98 à 99. I would like to quote the text as follows. For vital circulars, au sujet des circulaires importantes, the zone, sector and district committees must organize a study meeting to retain the original meaning of the collective. Et étudier afin de garder le sens premier de la collectivité. It is best
if each level can go directly to its subordinates to debate and approve together, or invite the subordinates to help discuss it for approval. Une discussion pour que l'on s'entende. Before I conclude this document, D36/7.1229, I would like to bring to attention of the chamber and the public to look at the paragraph. Sur un paragraphe. Concerning another document which states that the work must be done meticulously. Un travail doit faire l'objet de compte rendu de façon précise document et régulière. Document under number que l'on retrouve aux ERN suivants. English 0072 29 through 30 and French EAN 0072 10 63 Khmer 00442313. It reads, je cite, working requires clear and regular reports. We report on the enemy, people, or working activities, resolutions and directions. Reports have two forms, simple and special. Il y a les comptes rendus simples et les comptes rendus spécifiques. A report must be systematic. Un compte rendu doit disorderly information must be avoided. Clear and regular reports to the upper levels help them grasp and master the situations, resulting in direct and timely advice. I think that is all for me. And voilà. The documents that I just put pour before the chamber are relevant to the structure of work and how work were done before even 1975. These circulars have been implemented, and back then several other circulars were also put into force. Plusieurs autres circulaires avaient été terms concerning the enemies had always been described in the document. I would like now to proceed to the third document, which is also an important document. This document is D267/3.36. It is the revolutionary and non-revolutionary youth. D'un exemplaire de jeunesse révolutionnaire. An accurate reprint of youth issue dated the 2nd of February 1974 by the East Zone Lyrical Military Ministry on the 2nd of June 1975. De la politique militaire de la zone Est, 1,000 copies of which were published. 1,000 exemplaires. It is about the revolutionary and non-revolutionary world views regarding the matter of family building. Conception du monde révolutionnaire et non révolutionnaire du problème de la fondation des familles. I would like to read ERN in French. 00 59 39 28 through 29 English ERN 00 41 79 40 through 41 Khmer 00 40 78 through 99 Here is the text. Voici
le texte. The, today, in imperialist, feudalist society, and in zones temporarily controlled by the enemy, they usually attach the matter of family building to economic interests. They understand that only when they have a wealthy economic foundation or high rank and prestige, can their families then exist in plenty and comfort and have high rank and social prestige? They do not hesitate, no matter what means or dark maneuvers they must use. Not only that, the imperialists, feudalists, and capitalists strive to make propaganda and systematically broadcast this incorrect worldview to us, the youth, to make us chase after personal interests, money, gold, d'or, and gems, et de joyaux, rank and prestige, ainsi que le grade and make us that rather, therefore, this is why back in the old society, before liberation and inside zones temporarily controlled by the enemy today, many youth have absorbed the worldview of the oppressor class. They search out spouses or build families only out of personal material greed. That is to say, they seek out family interests or happiness by completely breaking from the interests and the fate of the entire nation and people. The next document I would like to refer to is the same document on the world views regarding the matter of family building. Sur la conception révolutionnaire de la fondation de la famille. And I would like to read ER number in French 0059 3929, English ERN 0041 79 42 43 41 00 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
document is about how spouses are chosen. L'encart explique how que pour choisir we, un conjoint, the revolutionary youth, choose a spouse. Faut donc choisir son conjoint, selon l'encart. It is imperative to be vigilant in regard to sexual morals. Il est impératif don't choose d'être vigilant recklessly par rapport à la conduite morale des femmes the ou des place. When marrying, it is imperative to honestly make proposals to the organization pour le choix or encore to the collective et la to have them help sort things out de sorte à ce qu'ils puissent aider à régler cela. Organizational discipline must be absolutely respected in the matter of building a family, no matter the outcome of the organizations and the collectives. Assessments and decisions, they must be absolutely respected. This is because only the organization and the collective are able to make a thorough assessment from every aspect. Therefore, do subjectively and follow your personal emotions. It is imperative to look at their background very clearly first. This is to say they must be clean in living morals and clean politically without involvement with any enemy strings or bad elements. Sans aucun lien avec les filières ennemies ou les mauvais éléments. The next portion of the document is document... Je mets maintenant... Fait référence à la page suivante. ERN de cette page. En français, 0059 39 32 31. English, ERN 0041 79 45 79. Khmer, ERN 0040 71 04. Le RN en français, l'interprète se reprend, est 0059 We must have the clear view that 32. Our spouse is one inseparable part of the great revolutionary family. La famille est une partie Therefore, inséparable our husband de la grande or wife is one of the party's masses un mari and is a member of the revolutionary movement. Il représente un membre du mouvement révolutionnaire. To have our spouse become a good revolutionary spouse, able to fulfill revolutionary mission. De sorte à ce que l'époux ou l'épouse soit un bon membre révolutionnaire, capable de s'acquitter de mission révolutionnaire. Never treat family members ne considérez pas votre épouse a mass, a member of the mass that he himself can comme un educate or build particulier. He or herself. Ne pensez Mr. pas que President, vous soyez le seul à être I have already put all the relevant documents voilà, I wish to put before ma the chamber, and I thank you very much, Mr. President, and your honors for allowing me the opportunity to do so. De votre attention the de President, thank you, National Prosecutor. Je remercie le procureur national. Next prosecutor, Je you laisse may maintenant proceed. La parole au prochain intervenant. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Your Honours.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs les juges, mesdames et messieurs. During this session, au cours de my cette colleague, session, Tariq mon collègue Tariq et moi-même allons vous présenter des documents to portant some background and activities sur la biographie et les activités de Khieu Sampang 1975 period. Au cours de la période précédant avril 1975, ces documents the historical background of the Communist ont également Party une pertinence au niveau de l'histoire du Parti communiste de Kampuchea, la création et le développement de ses politiques au cours des années 60 et au début des années 70, as well as ainsi que les événements significatifs which preceded qui ont précédé l'évacuation of Phnom Penh forcée de Phnom Penh in April 1975. En avril 1975. We submit Nous that these documents evidence soumettons que ces documents of the group démontrent l'appartenance de Khieu Sampang au groupe qui est devenu le that close association PCK, ainsi que ses précurseurs, une association étroite qui a duré plus de deux décennies avant avril 1975. Ces documents illustrent également la montée de Khieu Sampang jusqu'aux plus hauts échelons du parti au cours de cette période, ainsi que sa montée vers d'autres fonctions movements au sommet de l'appareil au nom du mouvement Khmer Rouge, position qui inclut les postes suivants of the donc premier ministre adjoint auprès du gouvernement royal d'Union nationale de Kampuchea, le Grunk, ministre de la Défense nationale du Grunk, deuxièmement, troisièmement, commandant en chef de l'armée populaire nationale de libération du peuple cambodgien, quatrièmement, membre du bureau politique du comité central du Front uni national du Kampuchea, le FUNK, et candidate member of the CPK et Central Committee membre from candidat July au comité central du PCK à partir de juillet 1971. Les plus significatifs en outre que ces documents fournissent la preuve que par le biais de ses différents rôles, Khieu Sampang avait une connaissance approfondie des événements cruciaux qui se déroulaient au Cambodge avant la prise du pouvoir par le PCK, y compris les activités sur le champ de bataille. 2. Le traitement des populations dans les zones libérées par le PCK. 3. La situation humanitaire tragique de Phnom Penh provoquée, entre autres, par le blocus alimentaire et d'aide humanitaire to à la city ville par les Khmer Rouges. The documents also ces documents that Khieu Sampang montrent également que Khieu Sampang exerçait and influence une vaste autorité et une grande influence sur les forces Khmer Rouges et la population civile en général, et qu'il a promu des politiques qui allaient en fin de compte devenir les fondements des actes criminels qui sont portés à sa charge, y compris the uncompromising l'écrasement sans merci des ennemis du parti. Of the party. The use of enslavement l'utilisation de l'esclavage par des projets à grande échelle impliquant une force de travail obligatoire, l'évacuation forcée de zones urbaines sous la direction et le contrôle du Parti communiste du Cambodge. Je vous présenterai une sélection d'extraits du service d'information
à l'intention de l'étranger, la FBIS, se faisant rapport des activités de Kyo Sampang ainsi que des déclarations retransmises entre janvier 1975 et début avril 1975. Mesdames et Messieurs les juges, vous aurez souvenir que les co-procureurs ont présenté des documents détaillés portant sur l'origine, la pertinence et of these documents, la fiabilité de ces documents au cours des audiences portant sur les documents. Il s'agissait des documents contenus dans nos annexes 1 à 5. Mes collègues vous présenteront une sélection de documents provenant d'autres sources, y compris de brefs segments vidéo portant sur la période 1953 à 1975. Pour chacun de ces documents, je vous fournirai le document de dossier légèrement pertinent et je montrerai les documents originaux en anglais, mais je vous lirai une traduction en khmer. Aux fins de présentation, j'aimerais avoir votre permission, Monsieur le Président, d'afficher ces documents sur écran au fur et à mesure des moments où j'y fais référence. Je vous propose également qu'au fil de la présentation de chacun des documents, les accusés ou l'accusé nous indique s'ils désirent faire des commentaires immédiatement après mes observations. Le premier document que je vais vous présenter est un extrait du rapport, est un extrait daté de janvier 1975. C'est un bulletin de la FBIS, c'est un document qui a déjà été soumis à la Chambre et qui avait la cote E3-30. Le document d'origine était D262.2. L'extrait que je vais vous montrer est daté du 2 janvier 1975 et se trouve au point de référence 001-66-65-90-01-66-61. At the top of the document, en haut du document, we see that vous pouvez voir qu'il s'agissait d'une émission de la voix du Front National Uni de Cambodge datant du 31 décembre 1974. Il s'agit du texte de l'allocution de Nouvel An émise à l'intention du peuple par Kyo Sampang dans sa position à l'époque de vice-premier ministre du grand ministre de la Défense et commandant en chef de l'armée populaire de libération. C'est un discours qui s'adresse au peuple entier du Cambodge, aux combattants civils, ressortissants étrangers également, et qui fournit un résumé des événements au Cambodge et à l'étranger, tel que perçu dans le cadre de la perspective du Parti communiste du Kampuchea. Son centrage fondamental porte sur la guerre civile. Ce discours fournit une description détaillée de la progression des forces Khmer Rouge sur le champ de bataille. For example, on the second page of par the exemple, document, à la deuxième page du document, Kyo Sampang déclare, and I would like to quote, sur l'enregistrement, et je cite, our CPLAF, notre armée de libération nationale, heavy attacks lance on the enemy des attaques sérieuses sur l'ennemi autour de Phnom Penh. Les quelques villes qui restent sous contrôle ennemi ont également été réduites à des enclaves de 3 ou 4 kilomètres carrés et sont soumises aux attaques et à l'encerclement de toutes parts par nos forces armées de libération du Cambodge. Toutes les voies d'accès stratégique de l'ennemi ont été coupées.
have already fallen into the hands les of our armed routes forces 4 and et 5 vitales pour les traîtres sont déjà tombées aux mains de nos forces armées de notre peuple. L'ennemi ne peut plus utiliser la rivière comme les sables. Un peu plus loin, il indique le riz et autres denrées alimentaires se font plus rares, sans territoire, sans population, sans économie et sans riz. La clique des traîtres dépend intégralement de l'aide impérialiste des États-Unis. Leur seul espoir, c'est la rivière Mekong, le fleuve Mekong. Cependant, l'Armée populaire de libération lance actuellement des attaques sévères sur diverses positions ennemies tout au long de cette voie navigable, provoquant des difficultés encore plus graves en matière de transport de l'aide impérialiste US à Phnom Penh. He then goes on to launch an appeal to his listeners. Il émet un appel à ses auditeurs. Addressing the troops. Il s'adresse aux troupes et dit issue a directive as follows. Sous and forme I would like de directive. The brother and sister, je cite, combatants le frère et la sœur, combattants et cadres. The three categories of des the trois CPN catégories LAF de l'Armée populaire nationale well de libération Khmer, ainsi que tous les frères compatriotes au front, se voient demander de lancer l'offensive la plus vigoureuse et la plus puissante qui soit contre l'ennemi sur les trois champs de bataille stratégiques, c'est-à-dire autour de Phnom Penh et dans Phnom Penh, et sur diverses artères d'une importance stratégique, ainsi que dans diverses capitales provinciales qui restent encore temporairement sous le contrôle de l'ennemi. Une citation, et je continue. Il s'adresse ensuite aux bonzes, aux civils et aux cadres dans les zones contrôlées par le PCK et Kyo Sampang lance un appel à l'intensification des efforts en matière de travail, de production et d'agression contre l'ennemi, et je cite les bonzes, la population, les combattants, le peuple, les combattants et les cadres dans les zones arrières se voient demander de s'unifier derrière le grand mouvement d'offensive, de production, de récolte, de défense des récoltes de la saison de pluie actuelle, de la mousson actuelle, et le mouvement offensif visant à développer la plantation de riz en saison sèche et continuer à résoudre les problèmes d'eau en gardant la maîtrise de l'irrigation. Ce faisant, nous vous demandons de vous unifier et de pousser de l'avant le mouvement d'opposition pour balayer l'ennemi dans ses activités de pacification dans l'ensemble de la zone libérée. Ce discours reflète bien entendu la position officielle défendue par Kyo Sampang, mais d'après nous, il démontre également l'autorité de Kyo Sampang sur les troupes Khmer Rouge et les autres personnes vivant sous le contrôle de ces derniers. Contient également le soutien aux politiques du PCK, telles que la politique visant à détruire les ennemis. The President interrupts. Le président Defense Council, you may proceed. Conseil pour la défense, vous avez la parole. Le Conseil pour la défense, merci. I note Monsieur le Président, je note. The National Prosecutor et is making soulève que le procureur, his submission le fait que le soulève, during his speech. Que le procureur, en fait, développe un argumentaire au cours de la présentation de ces documents. If the prosecutor is making a speech referring to any document, I suggest he décide de présenter des documents. To the document. Je vous propose qu'il se contente de donner des informations portant sur le document. Le président, la Chambre
a déjà informé le procureur que l'accusation n'a pas le droit de développer des argumentaires devant la Chambre, as today's hearing is not dans la mesure où for the final submission. L'audience d'aujourd'hui n'est pas une audience de plaidoyer finaux. Even if the prosecutor is drawing attention to the parties même of the si le procureur attire l'attention de la Chambre à une question plus particulière, cela peut être considéré comme faisant partie d'une plaidoirie. Prosecutors are not supposed to extract the entire document. Ne doivent pas extraire la totalité travailler la totalité du document pour nous permettre d'évaluer les documents, car cette évaluation se produira à la fin du dossier 002/01. The prosecutor indeed provided the identity of the document, notamment permis or perhaps the prosecutor is advised to provide peut-être pourrions-nous conseiller au procureur the identification of the document again, de nous especially when he refers to the portion of the document, du document notamment lorsqu'il se réfère à des passages du document, lorsqu'il lit ceci, car en fait il y a des milliers, sinon des millions de pages de documents. Is the best practice et that parties refers to the c'est une bonne pratique pour les parties de faire référence à l'ER de manière à ce que les parties et la Chambre puissent se porter à la partie spécifique du document en question. Prosecutor. Thank you, Mr. Le procureur, je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais poursuivre, mais avant je voudrais répondre au conseil de la défense de Kyo Sampan. Je ne tire aucune conclusion des documents que je vous présente. And I am not opposing the advice given by you, Mr. President. Je ne m'oppose certainement pas au conseil que vous nous avez donné, Monsieur le Président. Si la Cour le désire, j'aimerais pouvoir poursuivre. Le document suivant est également un extrait de l'émission E3/30, du 10 janvier 1975, ERN anglais 00166-88-90. 00 en Khmer 70 14 67 00 01 français 00 72 51 05 07. Il s'agit là de l'extrait d'un discours fait le 27 décembre 1974 lors d'un banquet qui fut organisé par le comité central du Funk et du Grung en l'honneur d'une délégation du Front National de Libération et du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Vietnam du Sud. The welcoming speech ce discours de bienvenue fut prononcé par le vice-premier ministre Kyo Sampan. In the speech, dans ce discours, Kyo Sampan a fourni une actualisation de la situation au Cambodge, faisant à nouveau référence à des projets ambitieux et des attaques sur les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Et il déclare : le peuple cambodgien, maniant à la fois les fusils et les sarcoirs, construit des barrages, creuse des canaux, fait progresser la production avec enthousiasme aussi bien durant la saison sèche que durant la saison des pluies et attaque l'ennemi avec le plus grand esprit d'indépendance, de souveraineté et d'autonomie qui soit.
De tous côtés, la guerre populaire s'amplifie dans une succession d'attaques impétueuses et massives contre les régions sous le contrôle temporaire de l'ennemi et d'assauts répétés contre l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur de ses repères. Il s'agit à l'évidence seulement d'une question de temps. Kyo Sampang fait ensuite allusion au destin qui attend les arch-ennemis du PCK, la direction de la République claire et ceux qui, Khmer et ceux qui y sont associés. Et il déclare, le peuple cambodgien boutera hors de son pays les agresseurs impérialistes américains et leurs acolytes, et il renversera le régime réactionnaire de Lonol Sirikmatak, Son Gotan Cheng Heng, Tamlan Longboret et Sosten Fernandez et leur association de malfaiteurs. Fin de citation. The next document is the le text document of a speech given by Khieu Sampang to le texte d'un discours prononcé par Khieu Sampang again, aux troupes de l'Armée populaire de libération nationale à Khmer. Encore une fois, il s'agit de l'émission. D'une émission de janvier 1975 du FBIS, document E330, l'extrait en anglais est à l'ERN 0016-6709-10. En Khmer, ERN 00-70-14-78-82, ERN français 00-72-51-14-15. 14 à 15. The speech was il s'agit d'un discours qui a été prononcé le 14 janvier 1975 aux forces Khmer Rouge on the Mekong and sur le Mekong et autour de la route numéro 1 Cambodian Information Agency, qui fut retransmise par l'agence cambodgienne d'information félicitant ses troupes pour leur victoire tout en notant en particulier leur succès dans le fait qu'ils avaient causé une situation humanitaire catastrophique à Phnom Penh par la rupture des voies d'approvisionnement vers la ville. Mr. Khieu Sampang states that thus the Mekong, the sole route for the transportation of rice and other food, est le moyen de transport de riz, d'alimentation en général, d'armes et de riz du Sud-Vietnam pour alimenter la clique de Lonol et ses associés, et que celle-ci est totalement bloquée. The traitorous Phnom Penh clique, la clique traître de Phnom Penh a très peur et panique. Et cette clique actuellement a sérieusement besoin de nourriture, de munitions et de toute autre sorte d'équipement et de matériel. Khieu Sampang termine en poussant les troupes à continuer à lutter de manière agressive et suivant la tradition du PCK de balayer l'ennemi de son chemin. Et il dit, je vous souhaite de tout cœur à chacun, chers cadres et combattants des fronts du Mekong et de la route numéro 1, une santé resplendissante, une force maximale et un esprit fervent pour attaquer l'ennemi avec une puissance encore accrue, le bouter totalement hors de la région inférieure du Mekong et prendre définitivement le contrôle de cette voie navigable en vue de contribuer à la libération de Phnom Penh et du Cambodge tout entier. The final extract I will show le dernier extrait que je vais vous présenter est émanant du rapport d'information de 1975, est un appel public qui se trouve à l'ERN 0016-6721-22.
21 à 22. C'est un appel qui a été émis par Khieu Samphan le 22 janvier 1975, adressé aux bons compatriotes et ressortissants étrangers de Phnom Penh et dans d'autres capitales provinciales contrôlées par le régime de la République Khmer. Pour la plupart, le discours est similaire aux autres que nous avons examinés. Il félicite les forces Khmer Rouge pour leur victoire, pousse combattants et civils à continuer la lutte contre l'ennemi. La partie de ce discours que j'aimerais vous faire examiner maintenant vise les ressortissants étrangers de Phnom Penh, car cela nous donne une vision intergémenaçante en ce qui concerne les projets du PCK pour l'avenir de la ville et des ressortissants étrangers qui étaient restés derrière. En ce qui concerne les diplomates étrangers, le personnel diplomatique, les représentants d'organisations étrangères accréditées auprès de la clique des traîtres, ils devraient prendre leurs dispositions pour s'évacuer, évacuer leurs familles de Phnom Penh et d'un certain nombre de capitales provinciales sous contrôle temporaire de l'ennemi afin d'éviter tout incident regrettable. Sinon, le FONC et le GRUNC n'accepteront aucune responsabilité pour toute blessure ou dommage qu'ils pourraient subir. J'aimerais à présent vous montrer un extrait de l'émission de février 1975, le numéro est 262.3, dans le dossier, le RN anglais 00167556, les traductions khmer et françaises de cet extrait ont été demandées. Cette retransmission de l'agence cambodgienne d'information est datée du 14 février 1975 et rapporte le fait que 35 ressortissants étrangers avait quitté la ville au cours des 10 premiers jours du mois. La raison pour laquelle je vous montre ce document est qu'il nous donne une indication du fait que l'appel de Khieu Samphan daté du 27 janvier a non seulement été bien entendu, mais en outre pris tout à fait au sérieux par ceux qui vivaient à Phnom Penh. Et ce bulletin d'information, et je cite, indique « Les épouses des ressortissants étrangers, le personnel diplomatique ont également indiqué qu'elles savaient, qu'elles avaient entendu l'appel du 27 janvier du vice-premier ministre Khieu Samphan, qui avait été retransmis par la voix du LUFC, incitant les personnels diplomatiques étrangers et leurs familles à évacuer. Conseil pour la défense de Khieu Samphan, vous pouvez intervenir. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Je note que le coprocureur national is still mentioning mentionne encore or making submissions once in a while, ou plutôt even though passe à la plaidoirie de temps à autre. The submissions are intended to exert inculpatory evidence on my client. Lorsque l'on plaide, en fait, de trouver des motifs à charge de mon client, j'aimerais insister sur le fait que le procureur devrait s'en tenir au fait plutôt que de développer un argumentaire. Par exemple, you are trying to vous essayez quote Mr. Kirsten Pond's speech
de citer le discours by de saying le, that Kyo-Sampan, he alludes to some people, for example, en ajoutant qu'il fait allusion à certaines personnes. Alors moi je me pose la question de savoir have any evidence to support si that vous avez des preuves claim, pour démontrer or you are making your own conclusions that ceci. Vous tirez vos propres conclusions lorsque vous dites cela. So this show a predetermined conclusion. Et ceci, en fait, of the prosecutor. Semble indiquer secondly, que I le procureur tire des conclusions auxquelles il est déjà arrivé. Deuxièmement, what has been je soulève le fait que ce qui a été cité jusqu'à présent dans les discours, félicitant However, from what we have les troupes. Cependant, ce que nous excerpts, avons the, entendu dans les extraits cités, aucune partie de ces tell us about praising the troops. Discours so I'm submitting that, ne the font prosecutor état is making effectivement submission here. De félicitations aux troupes, et donc je I think when Kyo Sampan made any public speeches, we don't know how much the people could accept such speeches. But now, before us, the prosecutor is now testifying, saying that people accepted such speeches, so I would like the chamber to consider this. The President International Court Prosecutor, you may proceed, but would you wish to address to the relevant issue, or would you wish to add a new thing? If you wish to respond to this, then you will be given the floor, and we need to clarify this. Tomorrow. I think my friend's objections are completely and entirely misplaced. The purpose of this hearing, as Your Honours indicated, in the memo number E170, is to give the parties an opportunity to highlight for the Chamber key documents considered to be particularly important to the historical segment of case 002/1, and that's in paragraph 2 of your memo. Now, what my friend seems to be suggesting is that we should simply stand before Your Honours and read the evidence verbatim without suggesting how, in the prosecution's view, those documents are particularly important. And I'm quoting here from Your Honours' instruction to us. It is the purpose of the hearing is for us to highlight why these documents are important. Now, how do we do that other than by introducing information as to the context? Now, this trial is conducted before a panel of professional judges. There is no risk here of tainting a lay jury by us making comments that perhaps provide that context. In our submission, it is entirely appropriate, particularly given that we're dealing with literally thousands of documents, and we're quoting here from a very small selected number of them. It is important for us to be able to explain to Your Honours how we why we see those documents as important and how we see them connecting with other evidence on the case file. We're not suggesting that Your Honours should accept our version of the events, and of course Your Honours have been very clear in giving the defence an opportunity to respond. So the appropriate time, of course, is when we finish for the defence to stand and make the submissions such as the submissions that my friend just made.
made. And coming back to the issue of testifying, I think my friend just showed in his own submissions how fine the line is between providing context and in fact testifying, which I think he was doing. So we invite Your Honour to overrule the objection and allow us to present this very limited context before we quote from the documents. If we don't do that, Your Honour, all we will be doing is reading out passages which, with all due respect to my friend, all of us can do without this hearing. Ce que nous pouvons tous faire sans devoir le faire à l'audience. The President, having noted the objection by counsel for Khieu Somphone, la Chambre est saisie d'une objection soulevée par la défense de Khieu Somphone. Noting the response by the co-prosecutor, the Chamber notes that National Counsel for Khieu Somphone's objection is not la Chambre rejette donc l'objection soulevée par l'avocat de Khieu Somphone. To clarify things, I would like to hand over to Judge Fentz. La Chambre souhaite laisser la parole à Madame la juge Fentz. To address this issue and why the Chamber has qu'elle puisse donc apporter des clarifications sur cette question et expliquer la décision de la Chambre de rejeter l'objection soulevée par le Conseil de Khieu Somphone. Vous avez la parole. Thank you, President. Unfortunately, the fineries of the original decision by the President have somehow got lost in translation. So perhaps to clarify, it is indeed the objective of this hearing, one of the objectives, to allow the public to understand the documents that will play a major role in these proceedings. Now, in order to achieve this purpose, it must be possible for each party who wishes itself to avail of the opportunity to present documents in more detail, to explain why they think a certain document is specifically relevant, and to a degree to put it in context. Now, counselor correct, this should not amount to pleading. We all know this is a fine line. Nous savons bien sûr as has been pointed out,
comme il a déjà été rappelé. There are professionals on all sides of the bench, so the chamber invites everybody to be very conscious of this fine line, and if possible not to cross it. La chambre demande aux parties de bien garder à l'esprit la différence entre ce contexte et ses plaidoiries et de ne pas faire de plaidoiries. The President, since it is now appropriate time for adjournment, de prendre la pause de l'après-midi. The chamber will adjourn for 20 minutes. Donc, lèvera l'audience the next session 20 minutes. Will be resumed et by 3 o'clock. À 15 heures.